Ok, donc j'ai fait un peu de fabrication. Donc déjà on est passé au minigun violet, qui a un très bon DPS. Je lui ai mis l'augmenté des dégâts infligés par l'arme, donc il va faire des dégâts de glace. Je sais pas s'il va, il va ralentir les cibles, par contre, parce que je lui ai mis ça. Donc en théorie c'est des dégâts de glace maintenant, parce qu'on peut voir que ça change à chaque fois. Donc là ça serait des dégâts de glace. Et après là on a la fragmentation des projectiles, donc dès que ça touche une cible ça va s'éparpiller les balles. Donc on va voir un peu ce que ça fait, si ça ralentit les cibles ou pas. Parce que c'est pas le dot en fait. Et après le laser j'ai juste changé aussi, enfin bref on s'en fout. Après j'ai fait des améliorations des plaques de blindage. Alors pour le moment, en fait, ce sont des matériaux qu'on n'en a pas vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était du. Attends, c'est les rouges que j'ai. C'est bien celle-là. Donc j'ai tout utilisé en gros de ce qu'on avait. Donc c'est un peu le problème. Du coup, j'ai pas pu vraiment choisir les atouts. Mais c'est pas mal. On a déjà eu un avec 50 de bouclier, ce qui est bien. Bon, les dégâts renvoyés, honnêtement, c'est pas vraiment intéressant. Mais bon, on l'a. Par contre, on a 4 résistances à tout. Après, c'est du physique 16, chaleur 16. Donc, ça, c'est cool. Le deuxième, on a, bon, dégâts renvoyés encore. Là, on a de l'énergie physique tout et froid. Donc, ça, c'est bien. Et après, l'autre, le dernier, on a physique et tout. Dégâts renvoyés encore. On a récupération régène et vitesse de régène pour le bouclier, les deux. Donc ça c'est bien. Et à chaque fois c'est 50 HP. Donc c'est cool. Oui, et après j'ai crafté aussi une machinerie de titane. Parce que c'est 12%. Donc ça aussi c'est pas mal. Il en faudra 4 pour avoir les 12% à chaque fois. Là. Ça va être sympa. Donc ouais, on va aller voir les bestioles. C'est moi ou ça fait le lag là, que ça faisait sur notre biome? Ça va, ça pompe, ça pompe. Donc voilà, là on a 290 HP, 95 de bouclier. Change in air humidity and wind speed. A fog is forming up. C'est-à-dire qu'il y en a trois maintenant à chaque fois de ces bestioles. C'est quand même abusé. There is a lot of them inside. This might be difficult. Ouais, on fait un peu plus de dégâts maintenant avec la mitrailleuse. Ouais, c'est quand même bien bien mieux là. Il est où l'autre? Il y a une bestiole géante juste à côté. Par contre, je voudrais bien tirer sur une bestiole, voir les. Ouais, c'est des dégâts de froid, mais ça le ralentit pas. Et on voit que ça se disperse quand je touche la cible. Ouais. Ok, c'est vraiment pas mal ce mode-là. Celui-là, la fragmentation. Par contre, ouais, non, les dégâts, c'est pas. Non, je sais pas, je comprends pas trop. Donc, faudrait mettre. Genre ça. Ouais, là, oui. Là, il y a le froid.
Très bien. On a quasiment plus de d'énergie, c'est bien. Donc on va devoir corriger ce problème. C'est facile à dire parce que je vois pas du tout comment on peut le corriger en fait. Les trucs fonctionnent à fond. Il nous faudrait plus de ça, du coup. Ça va être un peu relou. Je vois pas trop comment faire. On a ça qui fonctionne, on a... The fog is clearing up. Ça aussi qui fonctionne. Mais on cultive pas de plantes, donc bon... C'est pas vraiment l'idéal non plus. Là, on redevient un peu positif. Mais ouais. On est toujours négatif. Ouais, non, là, ça cultive bien, mais c'est trop même. Falloir des trucs un peu normaux quoi. C'est pas... Ah là ça m'embête un peu. Bon, là ça devrait aller là, pendant la journée au moins. Ouais, merci quand même. Ok. Il y a un truc, on va peut-être mettre des plantes quand même, hein, parce que... Qu'est-ce qui fait des plantes? Genre ça... Ça, ça fait plante et azénite. Là on essaye de faire quoi en fait? Du rhodonite. Titane, titane, plante. Cobalt, on s'en fout un peu. Des Bratus amantis viridis. C'est les trucs qui explosent, ça, je crois. Cobalt et fer d'onite. On va faire celui-là. C'est moi ou il n'y a pas assez d'eau? What? Sans déconner, il n'y a pas assez d'eau. Eh ben, j'aurais pas cru. Voilà, nickel. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir assez de boue? Bon, après, de toute façon, on a l'autre marque à gauche.
Donc c'est pas vraiment un problème. Donc on va continuer notre cueillette hein, ici. Ok, là c'est un peu mieux. Mais c'est pas encore assez. Donc ce qu'on va faire, c'est les faire à l'envers. Alors, hop. Tant que je fasse pas de conneries. Hop, nickel. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas assez de boue, ok. Ouh, qu'est-ce que c'est bien ce système. Ah mon dieu, les cristaux. Ah ah! Non, toujours pas. Voilà. On est bon. On est pile bon. Et là, ça recharge de l'eau. Donc voilà, c'est reparti. Très bien. Putain, avec tous ces cailloux, ces rochers là, c'est vraiment relou quand même. Donc du coup, j'avoue qu'on pourrait refaire ce système là. Putain, on a quasiment plus d'énergie. Oh la vache. Danger. An enemy swarm is approaching our base. Brace for combat. Ça ferait con de tomber à court de... d'énergie pendant qu'on a la vague, là. Ça serait un peu bête, non? Putain, on a vraiment merdé avec le système que j'ai fait la dernière fois pour cultiver. Ah, ça cultive bien, hein. C'est juste qu'il faut des réacteurs nucléaires, quoi, pour les maintenir. C'est tout. Aïe, aïe, aïe. On est positif, c'est bon. Il va faire tirer hein.
Le problème, c'est qu'on récolte pas assez de plantes aussi. De feuillage, là. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a, quoi. Ah, c'est violent là, j'avoue. Tomber. Ça va, l'arbre il tient. Ouais, fais voir les plantes un peu. Merde, juste quand ça sauvegarde, fais voir les plantes. On a plus que 6000 plantes. Donc c'est pas le top. Qu'est-ce qu'on a? On peut enlever des IA un peu. Est-ce qu'on peut les éteindre, les IA? Ouais, on peut. On peut en virer 3. Ça fait un peu plus de courant. Très bien. Ça fonctionne. Très bien. Ça fonctionne aussi, mais je crois qu'on va devoir en rajouter. Aïe 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 aïe. Voilà. Avec de la chance, ça remontera assez vite. Là, on va faire pareil. On va faire le même système. On peut pas les coller sinon ça va toucher celui-là. Voilà, très bien. Je voudrais peut-être des plantes, ouais, qui font... Genre, là on avait... Non, c'est ça. Genre là on fait quoi en fait? Là on voudrait... la rhodonite, là. Rhodonite. Donc là on pourrait faire rhodonite plante.
à la place. Là, là ça fait azénith plante. Titane plante, ça serait bien. Je sais pas si on peut. Ah si on peut. Ouais, titane plante. Voilà. Fais voir un peu. Merde. 5000. Ouais, non, ça descend très vite. Ça descend très vite. Je pense pas qu'on peut maintenir en fait. Hein. Je pense vraiment pas qu'on puisse maintenir. On a quoi? Ça. Faut vraiment qu'on refasse peut-être le système là, parce qu'il y a peut-être un peu trop le bordel. C'est vrai que je préfère ce qu'on a fait en, au sud. Peut-être plus efficace quand même. Ouais, je pense que c'est quand même beaucoup plus efficace au sud. Putain, le cristal comme il est gros. Ah là 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 là. Ouais, non, on va pas avoir assez de plantes. Hein. On voit que des fois ça remonte, mais ça fait que baisser en fait extrêmement vite. Ça c'est cobalt ou c'est... Ah non, parfait. Parfait. Ah putain. Par contre j'entends des bestioles. Bien. Ah, c'est pour aider pour le, la puissance pour le moment. Ok. Ça va se stabiliser petit à petit. Faut voir un peu le gaz remonte, les trucs se sont arrêtés, enfin pas tous mais certains. La viande, j'ai envie de faire ça aussi. On va virer cela. Voilà, très bien. Et là on va faire... on fixe les choses petit à petit. Hein. C'est pas, comme j'ai dit, c'est pas l'idéal, mais... on se débrouille. Hein. On se débrouille avec ce qu'on a pour le moment. Ok, très bien. Voilà, là, ça, là c'est plus ou moins beau. En plus, plus ou moins beau, ça, ça se recharge. Là, l'acide, enfin la vase, c'est bon pour l'instant, c'est en train de remplir ça, donc ça va, c'est normal. Oh la vache, quand ça sera plein, ça va se, la vase va revenir, ça va. Il nous faudrait plus de vase à la limite. Ce qu'on pourrait faire, c'est la prendre là. Oui, on peut, on peut, on peut. Je veux juste régler ce problème de d'énergie là. Faut qu'on fasse ça bien. Sinon, on va avoir un problème au moment.
y a des rochers partout. Très bien. Voilà, normalement. Voilà. Voilà, maintenant ça fait que augmenter parce qu'on a la deuxième vase. La deuxième mare de vase. Donc ça, ça se remplit. Et là, ça continue de faire du gaz. Voilà, c'est efficace. Nickel, parfait. Nickel, nickel. Ça, j'ai envie de le retirer. J'ai envie de... faire des trucs de vase en plus. Non, 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 non. Non, je fais de la merde. Non, c'est très bien comme ça, on va pas compliquer la chose. Très bien comme ça, on complique pas la chose. Ça marche bien, on a assez de réserves de vase. Là, ça va monter presque à 200k. C'est très bien. Là, ça charge. Voilà. Pouf. On peut même mettre, faire des réserves de courant à la limite, vu qu'on a un peu des problèmes avec ça. Oh putain, t'es sérieux. Voilà. The earthquake is over. It looks like it unearthed an object near its epicenter. Ok, cool. Là, ça, ça marche bien. Là, il n'y a pas vraiment de gros cristaux. Y a, par contre, il y a au nord, il faut complètement refaire... Pourquoi c'est sur du local? Voilà. Il y a vraiment le nord où on doit refaire ça. Voilà, quasiment le de double, presque 1 million de plus. Est-ce qu'il est toujours en train de trembler le truc? Ouais. Okay, c'est juste du ferronium, on s'en fout. Nickel, nickel, nickel. C'est pour réparer les tuyaux si jamais on a besoin. C'est vrai que ça aussi, ça, y a pas de protection. Il en faudrait quand même. Et j'ai l'impression de les mettre comme ça, c'est plus simple aussi à protéger. Genre là, c'est tout symétrique en fait. Je... Non, on n'est pas bien? Comme ça? Vachement bien, non? Enfin, je crois. Ok, la base a fait que augmenter, c'est très bien.
Est-ce que le gaz fait que augmenter ou pas? Non, ok. N'en produit pas assez, mais c'est pas grave. On va être plein en énergie bientôt. Donc ça va. Enfin, je crois. Les plantes, par contre... Ah, ça c'est bien, ça s'est arrangé aussi. Vous avez vu les feuilles? Ça descend encore, mais ça augmente pas mal aussi. Donc il va falloir arranger ça. Là-bas, là, il faudra en faire. Mais par contre, ouais, on va tout refaire là. Par contre, j'ai un problème d'électricité. Comment on va... je vais tout détruire, je crois. Je vais tout détruire parce que c'est mal fait. Très mal fait même. Voilà. On va recommencer ça parce que vraiment j'aime beaucoup en fait ce qu'on a fait au sud, donc on va essayer de refaire pareil. Bon, je vais voir la carte, je vais bien pouvoir zoomer. Bon, il y a ça qui est en plein milieu, c'est relou, mais on va se faire. Alors. Là aussi, on va refaire ça. Ok, donc là, je pourrais faire une belle ligne. Ok, donc on a fait... Donc, comme ça, comme ça. Alors après, est-ce qu'on peut faire un truc en 4, genre en carré? Évidemment que non, parce que il y a ça. Faut rester calme. Ah, faut bien réfléchir quand on a des... Merde. Quand on est dans des endroits comme ça, super exigus. Là. Ok, donc là, on a un truc à 4. Comme ça, ok, ça marche. On va remettre les trucs à biomasse là. Voilà. Ok, donc maintenant on veut des récolteurs en plein milieu. Enfin, en plein milieu. Là quoi. 2, 3. Faut enlever l'eau. Honnêtement, faudrait les mettre là, mais on a le minerai de cobalt en plein milieu, parce que, évidemment, sinon c'est pas drôle. 2, 3. Et on pourrait faire... Je sais pas si c'est assez comme ça, en fait. Je sais pas du tout si c'est assez ou pas. Ah mais ça récolte pas derrière. Non, c'est con en fait de faire ça. Non, il faut que ça récolte derrière en fait.
Donc je peux pas faire ça. Aïe 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 aïe. Ouh, qu'est-ce que ça prend la tête quoi. Il faut que je vire ça. Parce que ça fait du... Oui, mais oui, oui, ça fait des plantes tout autour, quoi. C'est donc du coup, oui, on est obligé de... Hein? Ils arrivent quand là? Ok, on a encore le temps. Ok, très bien. Donc là, je voudrais un truc qui fait des plantes et des... Très bien. Faut qu'on regarde qu'on mette pas les mêmes choses aussi. Tellement moche ces trucs. Voilà. Il faut voir les plantes, ça augmente ou pas. Ouais, les plantes, ça augmente. Voilà. Ouh la vache. Ça récolte tout là. Ça récolte quoi? Ça récolte ça, ok, ça marche. Donc là, ça plante des trucs. Là, ça récolte ça. Là, on est bon. Ok, c'est dans le périmètre. Et là, c'est dans le périmètre aussi. Ok, ça marche. On est bon. Ah, on va y arriver au bout d'un moment. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est que, à la limite, j'avoue qu'on a pris un biome genre en difficulté élevée. Il fallait peut-être prendre un biome plus cool. Parce que je me rappelle que dans ma première... première partie, j'ai pris un biome cool, moi. C'était pas comme ça. C'était pas aussi catastrophique, quoi. Là, j'avoue que c'est un peu catastrophique. Tiens, on a... C'est quoi, du... Ah, c'est du cobalt. Oh, j'ai pas mis de tourelle de ce côté-là. Et on a 18. Faut qu'on réactive les IA. Oh mon dieu.
Oh la vache. Bon, bah les murs en tenue, c'est déjà ça. J'y crois pas que j'avais oublié un mur quelconque, putain. Quel débile. Quel gros débile. J'avoue qu'avec le minigun violet, j'ai l'impression que ça se passe beaucoup mieux. On défonce les trucs, mais... à une vitesse. Donc ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Donc du coup... voilà. Alors de 5600, on passe à 4006, ça va. Ça va, on a encore quoi, 54 IA. Oh, ça va. Oh, honnêtement, on est bon en IA. Je suis assez content de ça. Comme j'ai dit, quand on a les niveaux 3, honnêtement, les IA, ça se passe plus bien. Encore 33, très bien. Et après, ce qu'on pourra faire, c'est... bon, je sais pas si vraiment on en aura besoin, mais faire des batteries de canons à plasma, là. Mais bon, je m'étonnerais qu'on ait besoin d'en faire ici, quoi. Voilà, l'eau est au max, nickel. Tiens, le truc qui se crée. Ça, ça fonctionne bien. Voilà, les feuilles, ça remonte, c'est très bien. Là ça cueille, très bien. Peut-être un peu trop de trucs au sol, mais bon, de toute façon, on en a mis 3 à chaque fois, c'est bien. It's getting cloudy. It looks like it's going to rain. C'est bon. Le gaz, c'est bon. Tout est bon. Tout est nickel. Ça, comment ça se passe? Donc là, on a des machins. Là, encore des machins. It's raining. It will decrease the output from solar panels until it stops. Après, je me demande si c'est vraiment efficace ma façon, parce que là, enfin ceux-là oui, mais là il faudrait peut-être en rajouter parce qu'ils sont au centre. J'en sais rien. Parce que là, ils ont deux côtés à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Putain, j'en sais rien. Il y a sûrement des gens qui ont dû faire des... des tutos qui ont dû calculer combien il fallait à chaque fois de machin. Genre, parce que là, par exemple, ça s'est coupé en deux. On va dire sincère coupé en deux. Là, il y en a 3 pour ce côté-là. Mais là, il y en a 3 pour ça et ça, pour un cercle entier, en fait. Donc, il faudrait pas 6 au centre.
plutôt. Aïe. Compliqué ces merdes. Waouh, aussi près, t'es sérieux? Interesting. We should go and investigate that area. Ça doit être une grosse bestiole, je pense. Voilà, ça me paraît un peu plus logique. Est-ce qu'on peut en crafter, en créer un peu plus des trucs? On pourrait en mettre là. Faire le tuyau. Voilà, donc là ça serait ça par exemple là. The rain is over. Base operations returning back to normal. Parce que les cristaux c'est vachement sympa, mais ça fait pas de plantes à chaque fois. Voilà, c'est pas mal. On va faire la bestiole après. Ça va nous pomper de l'énergie par contre. Mon dieu, les cristaux de ouf quoi. Comme ça. Ah le bordel que ça fait, putain. Oh mon dieu, vous avez vu? Voilà, là ça remonte 10K, très bien. On va aller se faire la bestiole. Et au moins les ressources elles montent parce qu'en fait je regarde pas, enfin elles montent mais doucement. Hein. Mais après ces ressources là comme j'ai dit c'est pour faire des surtout des choses comme ça là. Donc on en a techniquement pas besoin énormément, donc ça va. C'est... voilà. Aïe. Je crois qu'on va vite partir d'ici. Ça m'a un peu fatigué de faire des plantes. Après on pourra en faire autre part, hein, mais... J'avoue que ça fatigue un peu. This looks like a nest of some sort. We should clear it out and reduce the strength of hostile attacks. Voilà, nickel. There is a lot of them inside. This might be difficult. Bon voilà, honnêtement la base est sympa hein. Elle se suffit à elle-même. On a fait des bons murs, on a de la boue, on
On a de la vase. Honnêtement, elle est... je suis très satisfait de ce qu'on a fait. Après, c'est pas... l'efficacité, elle est là, quoi, mais... elle n'est pas extrême, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que on a bien fait avec ce qu'on avait. Voilà, je suis assez content de ça. Voilà, ça, ça fonctionne, tout qui fonctionne. On fait beaucoup de gaz. On a des turbines à gaz, très bien. On récupère beaucoup de vases. On fait de l'eau, on fait des plantes. Non, non, c'est très très bien. Je suis très content de ce qu'on fait. Et tiens, trucs qui font chier. Mais du coup, on va partir. On a fini ici. Et après, maintenant, on pourra peut-être faire... Il faut du palladium. Ouais. Il y a du palladium qu'on pourrait aller récolter. Et tiens, on peut faire plus de plaques de blindage. Voir un peu ce que ça donne. Crafting completed. Pas mal. Pas mal. Laquelle on pourrait changer? Celle-là? Non, attends. Là, on a quoi? Là, on perdrait ça et ça. Là, il y a quoi? Non. Ah, celui-là, on peut l'enlever. Enfin, on peut l'interchanger. Voilà, on gagne de la résistance à l'acide et on gagne un 50% de protection. Après, est-ce qu'on garde ça, du coup? Parce que là, c'est quoi? C'est 45. La portée du radar, j'aime bien, j'avoue. Le drone défensif, honnêtement, est-ce que c'est vraiment utile? Bof. Ouais, ouais, on va faire comme ça. Ça ferait 100 de bouclier avec 400 de vie. Je crois que c'est pas mal. Ouais, je crois que c'est pas mal. On perd un peu d'énergie, mais ça c'est parce que c'est la nuit. Ça devrait vite revenir normalement. 142, moins 142. Vas-y, passe en positif s'il te plaît, parce que ça commence à me saouler. C'est vrai qu'il y a les bestioles là qui sont en train de bouffer nos réserves. On a là, si, bah tiens. On peut faire ça. Même si ça va se faire bouffer à première vague. Mais voilà, on peut faire ça. Voilà, voilà. On est bon. Je vais virer ça par contre. Celui-là. Voilà, très bien. Maintenant, on va partir d'ici. Donc ça, c'est bon. On va aller au quartier général. Parce que je voudrais un peu voir ce qui se passe au quartier général. Je pense pas qu'on ait besoin de faire grand chose ici, mais bon. Comme j'ai dit au quartier général, c'est vrai que vu que c'est une base gigantesque, là on peut faire de la récolte. J'avoue que là on peut faire de la récolte. Ah oui, par contre au quartier général, ce qu'on peut faire... Ah non, on n'a pas d'uranium, c'est le plasma là, on peut commencer à faire ça. Mais on fera ça plus tard, je montrerai ça plus tard. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est le... C'est palladium? Paradium? Le cristal doré là. Et après l'uranium. Il nous faudrait ça. Il nous faudrait ces trucs là maintenant. Là on a géré les plantes, je suis content.
genre là, on pourrait mettre des plantes partout, quoi. Ah, on peut faire des augmentations. Par contre, je suis en train de me dire là, tout ça, on peut le virer en fait. Genre l'acide et tout. On va garder que des trucs rouges, on est d'accord. Si encore c'était violet, avec leur spécialité et tout ça, mais là, non. Là, non. Nous, on a du rouge, c'est 50 de vie et tout à chaque fois, non, c'est bon quoi. Il y a même ça, comme j'ai dit, celui-là, je sais pas si on le garde ou pas. Alors. Alors, hop. Hop. Ok, nickel. On peut en faire un autre de laboratoire. On va le faire juste en face. Voilà, parfait. Ça, on s'en fout pour le moment. Ah, très bien. On a toujours le petit lag, mais bon. Là, c'est pas extrême. Ça va, tout va bien. Tout fonctionne très bien dans la base. Ouais, non, le seul truc qu'on pourrait rajouter, ce serait des plantes, comme j'ai dit. Là, on est bon, c'est à 12.8. Je sais pas si ça va augmenter, les plantes, parce qu'on en craft, en fait. On en récupère, donc est-ce que on va... Ouais, non, si, 12.9. Non, non, même des feuilles, on les récupère. Ça, c'est cool. Vraiment, vraiment sympa. Par contre, on n'a pas les autres ressources qui s'écrivent. Ça m'embête, ça. Je vais vous montrer. On va sauvegarder. De toute façon, ça va être la fin de notre épisode. Et après, on va voir ce qu'on va faire. Je pense que, comme j'ai dit, il faut ou aller récupérer de l'uranium. Ah oui, il faudra faire ça aussi pour aller récupérer des plantes. Là, qu'on puisse... faire ça. On verra ça. Il y a le palladium que je voudrais faire, surtout. Je pense que c'est surtout ça que je veux faire, le palladium. En tout cas, je vais sauvegarder. Et je vais vous montrer, mais parce que je me rappelle plus vraiment, en fait, à quel moment... C'est peut-être quand on finit toutes les missions, peut-être, que le jeu est comme ça. Mais je vais vous montrer. Donc c'est celle-là. Je vais vous montrer en fait comment ça fait. Il n'y a plus écrit les missions quand je regarde les différents biomes. Il y a les ressources en fait qui viennent. Donc encore une fois, je crois que c'est parce que j'ai fait toutes les missions. Et c'est pas vraiment du spoil parce que maintenant on est vraiment à la fin du jeu. Il suffit juste de faire les missions et de récolter les nouvelles ressources et c'est tout quoi. Mais enfin, ouais, il y a peut-être des canons et tout ça que vous avez pas encore vu, donc je vais pas les montrer. Je vais essayer de faire attention, mais voilà quoi. Tout, honnêtement, il y a pas grand chose qui nous reste, qui nous manque. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant. What's strange about that? Galatea is a relatively young planet and has lots of moons. Là, elle parle du DLC. Elle parle du DLC, donc on s'en fout. Vous voyez, donc ça c'est les avant-postes. Alors déjà il y a écrit avant-poste 1, 2, 3, etc. Et là on voit les ressources en fait. Et on peut retirer l'avant-poste. Alors que je pouvais pas. Mais je pense que c'est grâce au... C'est parce que j'ai fini les objectifs mondiaux en fait. Vous voyez, donc là je vois toutes les ressources en fait. Donc je sais pas à quel moment on a ça en fait. À quel moment ça devient comme ça. Parce que... Oui, non, mais là, c'est vachement bien, quoi. C'est vachement bien.
Genre là, c'est là où j'ai fait mes plantes, par exemple. Je l'ai fait dans un désert radioactif. En moyenne, donc c'est pas très dangereux. Là, on peut voir le type de récolte que je fais. Bio-végétal. Donc ouais, c'est à quel moment qu'on devient comme ça. Attendez, après, qu'est-ce que je voulais faire non, c'est tout ce que je voulais vous montrer, je réfléchissais. Mais voilà, je sais pas à quel moment on devient comme ça. Puis il y a des avant-postes que je peux pas retirer, c'est bizarre. Je comprends pas trop. Mais encore une fois, vous voyez que ces zones-là, enfin quoi que non, il y a des zones élevées, il y a des zones moyennes. Par contre, à chaque fois, ouais, il y a des ressources élevées en fait. Il y a beaucoup de ressources, même rares, qui sont élevées. Donc, ouais, je sais pas pourquoi. Non, je pense que c'est parce que il faut se concentrer en fait sur les missions, tout simplement. De rien avant, il faut que je me concentre sur les missions. Et il faut qu'on récupère les minerais qui nous manquent. Et c'est tout. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo en tout cas. Merci beaucoup. On progresse, on a fini les plantes, je suis content. Et la prochaine fois, donc, ce serait les autres minerais qui nous manquent. Et puis, on arrivera à la fin. On va pas farmer des heures et tout non plus. Hein, parce que là, on a fait déjà la base principale qui est déjà énorme. On a refait... on a fait une partie du DLC. Là, maintenant, on vient de refaire un petit avant-poste avec les plantes. Du coup, on a fait quoi? On a fait deux avant-postes. Qui sont assez gros. Un dans la première zone du DLC, et un deuxième dans celle qu'on vient de faire, là, dans le biome de tropical, pour les plantes. Voilà, on n'en fait pas trop non plus, parce que là, vous voyez que j'en ai fait beaucoup. Et à chaque fois, c'est des bases et tout, donc voilà, quoi. C'est pas besoin de faire tout ça. En tout cas, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao!